Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. On se retrouve aujourd'hui sur Nexomon Extinction, qui est la deuxième version, on va dire, de Nexomon, qui vient tout juste de sortir du coup sur iOS, sur Android, et pour ceux qui connaissent pas, enfin ceux ou celles qui connaissent pas, c'est en gros un jeu, on va dire, inspiré d'un très grand jeu, d'une très grande licence, où le principe de base c'était de tous les attraper. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Donc on va se lancer, ça vient de sortir du coup là sur mobile. J'ai démarré le jeu vite fait à l'arrache, on va load la sauvegarde et on va aller un peu avancer dans l'histoire parce que du coup le début de l'histoire est absolument pareil. Donc là on est dans notre base, dans notre maison, et après va falloir aller parler au mec du village pour récupérer notre créature. Évidemment on aura le choix entre plusieurs créatures et voilà. Donc j'ai rien fait, j'ai juste skip le tuto histoire 2. Je sais pas s'il y a du français, d'ailleurs j'ai pas pensé à checker s'il y avait du français. Système language. Oh, il y a du français, incroyable. Je peux valider ou pas? Yes. Donc il y a du français, c'est génial. Donc on va essayer de sortir de là. D'ailleurs vous le voyez à l'écran, hein, il y a un peu de pay to win. Un petit peu de pay to win dans le jeu évidemment, parce que c'est un jeu mobile. Est-ce que je pars là? Je peux me barrer de la maison? Parce que moi j'ai envie de sortir de cet endroit. C'est une fenêtre là ou non? C'est une fenêtre, ok. Ah, il y a un paillasson. Peut-être que le paillasson, c'est pour sortir. Putain, il y a même un mec avec une casquette rouge. Et bah, on a... Yes, let's go! J'ai trouvé un truc, du coup. Eh, mais je vais aller par là, moi. Je peux pas sauter, là. Vas-y, en vrai, tu passes. En vrai, ça passe, ça passe. Non, je suis sur ressorti. On va re-rentrer. Attendez. Non, 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 sors pas, sors pas. Sors pas à nouveau. Est-ce qu'on peut parler au personnage? La technologie, c'est nul. Vas-y, ferme-la, c'est bon, on s'en fout. Donc, on va avancer... Il faut que je sorte, on sort par là, non? Bon, si vraiment le jeu est bien, j'irai parler aux autres PNJ après. Là, pour l'instant, je vais juste avancer et voir ce que le jeu offre, on va dire. Oh non, 1, 2, 3, seulement 3 fois internet à 2 secondes, il y a un quatrième morveux. Ah bah bonne ambiance, l'accueil. Bonne ambiance. Comment ça? Pourquoi on attend Benichou? Et je vais toi, t'es le premier à crever, toi. Voilà, voici tes amis. Ouais. Des amis qui parlent comme ça de moi dans mon dos. On est où là? Allez, d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais le personnage il est customisable, c'est-à-dire vous pouvez choisir l'apparence qu'il a au début du jeu. Bon, évidemment, j'ai fait ça à l'arrache. Et je crois qu'il y a de la cosmétique également dans le jeu. Par contre, le tuto, en vrai, le tuto est. C'est beaucoup de dialogue, hein. C'est. Là, moi, je vais juste choisir ma créature, frère, et je vais me taper sur la tronche pour voir les mécaniques du jeu, voir comment ça se passe. Je lis pas, hein, comme d'hab, hein. Si vous voulez, si les dialogues ça vous fait kiffer, le lore du jeu tout vous fait kiffer, vous irez le télécharger et le lire. Mais moi je ne lis pas. Pas parce que je sais pas lire, hein, mais... En vrai, je sais pas lire. Vous avez découvert mon secret. Donc, est-ce que je peux me foutre sur la gueule et choper une créature, s'il te plaît? Putain, je vois qu'il y a des cailloux. Je pense que le caillou en haut à droite, là, on peut le péter, à mon avis, avec les gemmes dessus. Il y a moyen, je pense. Vas-y, dégage. Dégage, dégage. Casse-toi de là. Toi aussi, casse-toi de là. Toi aussi, tu vas dégager? Attends, mais t'es un... C'est une loutre? Oh non, des méchants. Eh, hey, ils ont les mêmes cheveux que moi? Ah, j'ai cliqué sur un truc, j'ai pas regardé. Oh là là, la musique, elle est incroyable, les effets spéciaux. 2021. Eh, hey, tu veux pas statuer au nord? Ah si, bah si, on avait dit ça dans les dialogues que j'ai pas lu. C'est à quel moment qu'on récupère notre créature, là? Bah, j'ai juste envie de me battre, hein. Oh, trop stylé! Ouais, ouais! Non, s'il te plaît, dis-moi que je peux skip. J'en ai rien à faire, une étoile filante. Oh, c'est écrasé! J'en ai rien à faire. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Oh la vache! Ah, mais c'est maintenant que ça s'est écrasé? Ah, je croyais que c'était un flashback! Oh, trop stylé, avec les ailes et tout là. J'aime bien, en plus il a une tête et tout, quatre pattes, grosse queue, non c'est bonne ambiance. Bonne ambiance, bonne ambiance. Ah, j'ai peur, oh, tu m'en tu mets. Par contre, les mecs ils ont lagué, non, le mob il est apparu il y a 10 minutes et 15 ans après ils sont là en mode, peut-être on recule. Un dragon ici. Attendez, vous voyez les dialogues ou pas avec la caméra? Ouais, vous voyez les dialogues. Je me demandais si vous voyez pas les dialogues. Oh, c'est Yu-Gi-Oh! C'est l'âme du... Choisis un exomon. Ah, voilà. Donc, c'est là que ça commence. Donc là, on aura le choix entre, visiblement, un type nature, un type herbe, un type feu, un type eau, un type un peu ténèbres, un type vent, un type électrique, un petit roche et un type...
Choisis Snexomon, t'as l'air défoncé, frère, on va pas te prendre toi. J'ai bien envie de prendre le type roche en vrai. Le type roche, il a un mignon très bli. J'ai bien envie de prendre le type roche. Quoique celui-là aussi il peut être badass en vrai. Avec la tête et tout, il a enlevé sa tête, il l'a mise sur ses mains, il y a moyen de. Non, vas-y, le type roche, parce que je pense que personne va le prendre. À mon avis, c'est éclaté le type roche. On va se faire foudroyer par absolument tout le monde, mais sur un malentendu, ça peut passer. Donc, moi, je vais voir les combats en fait. Est-ce qu'on peut se foutre sur la gueule et tu peux me laisser. Parce qu'attendez, là, il y a une créature qui est apparue du ciel, ok? Qui vient via une météorite et tout, il s'écrase, ça fait un gros trou. Par contre, la musique, il y a des moments, les gars, vous êtes un peu forts. Hein. Et ils veulent combattre ce gros truc avec notre petit truc à nous. Je suis niveau 6, il est 45. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Équipe. Ok, donc c'est l'équipe. J'aurais pu le deviner. Compétence, barrage de roche. Que vas-tu faire maintenant? Bah, prier. Prier, frère. Est-ce que vous voyez la barre de vie? En fait, vous voyez pas, mais il y a des menus derrière moi. Voilà, Treblé niveau 6, PV et tout. Voilà, incroyable. Visiblement, mon Pokémon est ultra rare, mais il est éclaté. On retente barrage de roche en vrai. Hein. Sur un malentendu, ça peut passer? Oh, il a raté, il est nul. Fuir. Quoi? Tu peux me fuir? Non, mais au pire, je fuis, mais je laisse mon Exomon ici, non? Pas efficace. Ah, ça, c'est. Personne n'aurait pu le prédire. Comment ça, il fait le mec étonné en mode oh là là, je pensais vraiment que tu allais tuer cette créature mythique avec. Avec ton truc de merde. Oh, la statue, elle s'est. Oh là là, elle a disparu. C'est notre chance. Ouais, enfin, c'est ta chance parce que moi, je suis dans les pommes, là, en fait. Ah bah ouais, gros. Quoi? Attends, tu m'as acheté? C'est quel genre de secours, ça? Il m'a pris, il m'a acheté dans le trou? Réveille-toi, on risque plus rien. Bah ouais, mais... Bah frappe, tape-moi dessus, je sais pas. T'as pas un verre d'eau à jeter à la gueule? Non, c'est bon, je me suis réveillé. Ah, je lis pas. En fait, faut que j'arrête de cliquer, parce qu'en fait, mon pouce, il clique sur la droite de l'écran. Et en fait, il y a des dialogues. Il y a des choix à faire. L'héritage d'un héros. Ok, je peux me barrer de la grotte. J'aime pas les endroits sombres. Ça manque d'air là. Je peux partir? Je peux partir? Ah ouais, je peux pas partir. Ah, je m'en doute. Non, mais je m'en doutais. Bon, je sais pas si vous voyez, hein, mais il y a un espèce de Nexodex. On va l'appeler comme ça parce que je sais pas comment ça s'appelle. Où en fait, du coup, bah, j'ai les infos par rapport au Nexomon que j'ai capturé, pardon. Et du coup, il y en a 380 à capturer, j'en ai capturé un, enfin on me l'a donné. Tu as trouvé un noyau de synergie niveau 3. Pas mal. Pas à quoi ça sert. Si seulement t'avais une pioche. Ouais, mais j'ai un Pokémon roche, enfin j'ai un Nexomon roche, mais mon Nexomon roche il peut pas casser des trucs là. T'as trouvé un Exotrap. Oh, trop bien. C'est le... Ouais, vas-y, tu as trouvé une potion. Ok, pas mal la potion, je m'y attendais vraiment pas. Je peux pas casser les vases? Non, je peux pas casser les vases. Oh, il y a un petit trou ici. Je peux pas passer dans le trou? Non, dommage. Oh, il y a une liane. Eh, la liane, c'est sûr, on peut la prendre. Pas du tout. On va aller au nord. Bon, en tout cas, pour l'instant, l'histoire est relativement différente de l'autre jeu que vous connaissez. Il faut les attraper pareil. Un peu dans le même délire, mais il n'y a pas de caisse et tout. Quand tu les captures, il y a juste le professeur qui te dit c'est bien. Qu'est-ce qu'il veut le monsieur dans la grotte? Qui parle à des enfants? C'est Genshin Impact en fait. Ils ont fait plein de jeux en commun. Ils ont fait l'autre jeu qui se termine par Mon. Genshin Impact, c'est un délire. C'est un melting pot de plein de trucs. Et en plus j'entends des voix et... Vas-y, c'est bon. T'as trouvé une super potion, let's go. Ça brille là, ça brille, je peux pas le voler. Oh, trop stylé, la photo dans la grotte sur laquelle on doit rien voir. En sépia et tout à l'ancienne. Ça me fume, hein, les jeux comme ça où ils arrivent à mettre des grandes créatures dans des toutes petites bowls et tout. Ils ont des technologies pour ça, qu'en plus la créature elle meurt pas. Mais ils ont encore des appareils photo en sépia. Pourquoi pas, ceci dit, hein, l'argentique est toujours au goût du jour, on va dire. Mais voilà quoi. Alors, tu ne sais peut-être pas, mais nous vivons dans des temps périlleux. Ah, eux aussi, ils sont fait Covid-aid apparemment, il n'y a pas si longtemps que ça. On a reçu 10 Nexotraps. Du coup, j'imagine que c'est les trucs pour rattraper des Nexomons. Oh, let's go! Venez, on le déglingue. Eh, j'en ai fait, on le capture, on le déglingue. On le déglingue. Voilà, barrage de roche, let's go, ça dégage.
Pas mal. Tu vas là, tu veux que je le capture, c'est ça? Tu veux que je le capture, putain. Cet album, la réparation de chances de capture a beaucoup de facteurs impliqués comme le fait de ton ami. Oh! Ça par contre c'est trop cool! Ça c'est trop cool qu'ils nous disent le pourcentage de chances qu'on a de le capturer. Eh c'est trop bien ça! Comment je fais pour ouais je clique dessus c'est tout. Ça c'est trop bien qu'ils aient ça dedans. Parce que moi c'est un truc qui me trigger un peu de pas savoir le... Qu'est-ce qui fait que ça fail ou quoi et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Eh par contre 17% de chance on le capture. Je suis le meilleur Nexo-dresseur non? Que souhaites-tu faire? Bah vas-y hein, vu que visiblement j'ai le choix. Je vais mettre un petit surnom là. Le jeu m'a pas laissé. Attends par contre il y a une roche bleue. J'ai une question, on est dans une grotte mais il y a de l'herbe qui pousse comme ça dans une grotte? Dresseur, savais-tu que plus tu collectes des nexomons, plus tu peux dévorer des récompenses? Jure! J'ai cliqué dessus tout à l'heure. Attends, mais si! Félicitations, ta récompense a été obtenue. Oh, pack opening. Un skin doré? C'est un chat qui fait du... ouais, parce que... ouais, alors... Je voulais vous en parler. En fait, le jeu, il y a un problème. Le jeu, il est gratuit. Mais il y a une version complète. Vous voyez en bas, de débris, la version complète, c'est 2 balles. Et en fait, il y a du... Comment dire? Il y a du pay to win en plus. Il y a du pay to win en plus de ça. Voilà. Donc, je sais pas si le jeu est vraiment, vraiment très, très complet en solo. Ou s'il y a besoin de vraiment claquer la version full complète. Alors attendez, est-ce qu'après je peux le capturer? Vous l'avez mis combien de dégâts là? Je lui ai mis 11, 11 divisé par 2 ça fait 5,5. Vas-y en vrai il y a moyen de le mettre à 2 ou 3, ouais voilà, 2 PV. Et là on le capture hein. On le capture hein. 18% de chance, capturé. On le capture, ça fait très longtemps que je joue à Nexomon et je vous garantis que l'on le capture en fait. Et voilà, il est rentré dans mon... Exoball. Je sais plus comment on appelle ça, l'envoyer au groupe. Yes, Claudia rejoint ton équipe. Vas-y, vamos. Vamos, vamos. Je peux voir la roche bleue? Seulement t'avais une pioche. Ouais, je suis une grosse merde en fait, genre. Attendez, là il y a encore des nexomons. Oh, je roule là-bas celui-là. Clafter. Comment ça, il attaque en premier? Eh, marave le barrage de roche. Aïe, par contre là, je vais peut-être vite une Nexotrap, voilà, Nexotrap. Let's go. Pour capturer l'espèce de vache qui est apparemment pas capturée. On a perdu un Pokémon, un Exomon. Squantuk. Attends, on dirait un nom de champignon au pied ça. Capture, hop. Nexotrap, yes ma gueule. Alors on peut nourrir, mais je pense pas que j'ai de la bouffe, donc à mon avis l'option de nourrir pour l'instant ne sert à rien. Est-ce qu'on le capture? Évidemment, évidemment, tu as capturé Calfter, envoyé au groupe. Yes. Alors, est-ce qu'on peut se casser de cet endroit-là maintenant que j'ai plein de Nexomons et que je peux enfin affronter le grand Nexomon là? Tu sais, le truc énervé là dehors. Je pense qu'on peut y aller. Hein. Ah putain, lui il va vouloir parler, non? Quoi de neuf? Bah, quoi de neuf, hein, dans une grotte en fait. Quoi de neuf? Bah, bonne ambiance. Au sujet de nourrir des Nexomons. Ouais. Oh, j'ai reçu. Oh, des tartes aux citrons. Attends, ils vont grossir, non? Oh, il peut guérir mes Nexomons? Comment je mate mon équipe? Est-ce que je peux switcher? Principal, surnom, compétence, noyau, supprimer tous les noyaux, libérer, retour. Retour. Par contre, attends, c'est lequel qui m'ont filé? C'était... ouais, c'était Tribly. Putain, j'aurais bien voulu casser la gueule à des Nexomons avant de... Oh, on peut déjà se barrer? Ok. Et y a, j'imagine, il y a des méchants un peu comme... comme la team l'autre là les ouais hop alors lui on peut lui parler. Oh lui il a une pioche, on peut pas lui piquer sa pioche? File ta pioche, je vois que tu aimes les ouais vas-y des cailloux, ouais trop bien, oui super. Alors pioche, oh let's go, il m'a fait une pioche. Attends, elle a de la durabilité la pioche ou pas? T'as une quête secondaire? Oh je t'ai des quêtes dans le jeu. Journal. Ah oui, j'ai des quêtes là, putain, trop bien. Oh, il y a un système de quêtes comme ça, putain, incroyable.
Trop bien, je pensais qu'on était lâchés dans la nature et fallait faire notre vie. Seulement t'avais une pioche. Eh mais quand, quoi? Ah non mais faut que je finisse la quête pour avoir la pioche. Tu es venu acheter ma pioche? Vas-y, genre j'ai besoin de ta part. Bah ouais. Échange réussi. Vas-y dégage. Ouais, je vais adorer la pioche. Arrête de me parler. Oh, t'as complété cette quête, ma première quête dans Nexomon, je suis trop content. T'as trouvé éclat de feu, d'accord. Et attends, je peux tout casser, genre ça aussi? Ah non, je peux pas tout casser, d'accord. Je m'avais déjà tout cassé. Je peux pêcher ou... Peut-être pas pêcher du coup. Oh, des champignons. Ok, on va pas les ramasser. Ah, si on reste appuyé, on court. Qui est incroyable. Sur ce, dans le château là-bas. Attendez, hop. Oh, trop bien. Oh, trop bien. Et on a récupéré un coffre. De notre synergie. L'idée de... Ce à quoi ça sert. Je peux casser ça ou pas? Je peux pas. Très dommage. Oh, il y a un marchand. Enfin, une marchande. Et tu es un dresseur, c'est d'où qu'il y a un magasin dans le coin. Je fais que passer, fais-moi confiance. En général, quand un PNJ te dit fais-moi confiance, moyen quoi. Tu vends de la bouffe, ok. C'est frais ou pas les gâteaux à la fraise que tu vends? Prends soin de toi, dégage, arrête de me parler. Elle est folle, elle déjà veut gratter l'amitié là. Donc attendez, est-ce que je peux me casser là ou pas? Je pense que je peux aller commencer à découvrir. Hein. Oh, il y a un dresseur. Attendez, premier combat contre un dresseur. Enfin, du coup, c'est pas un dresseur, mais... Comment il s'appelle dans le jeu, les dresseurs? Oh, c'est le premier combat. Ah, il a niveau 8? Non, c'est honteux. Barrage de roche. Il y a moyen, je le tue, hein. Ah bah non, c'est, il a plein d'autres... Allez, pas efficace, qu'est-ce que tu vas faire? Et ouais, mon gars, type électrique contre roche, tu vas rien faire. Enfin, tu vas rien faire, au bout d'un moment, je vais mourir, en fait. Ok, je crois qu'il a que deux Nexomons, donc s'il a que deux Nexomons, il y a moyen qu'on... Bon, lui, il est mort, mais c'est pas grave, on ira le réanimer une autre fois. Vas-y, skincute. Attaque morsure. Oh, trop bien, on a réussi à tuer un exomon. Morsure. Critique. Let's go. Putain, on a gagné, elle est vraiment trop fort. Ah, mais il gagne pas d'XP, Tribly. Ah, j'aurais dû switcher de Nexomon. Putain, incroyable. Bon, bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Tu m'as battu juste comme ça. Vas-y, ferme-la. On va se laisser là-dessus. Ah ouais, j'ai peut-être avancé à l'occasion en chill, mais vraiment en pur chill dans le jeu. Voir ce que le jeu propose et tout, voir ce que ça donne. Voir s'il y a... Bah j'imagine il y a un système d'arène et tout. Oh, on peut soigner nos Nexomons là, j'imagine. Oui. Oh, trop bien, il les a guéris. Trop bien. On peut se foutre sur la gueule ou pas? Non. Non, bah écoutez, ouais, on va se laisser là-dessus parce que apparemment il y a plein de PNJ à qui il faut parler. On va courir, je vais retourner là-bas, je crois qu'il y avait un truc à faire dans la maison. Et voilà, en tout cas, j'espère que l'abdo vous aura plu. Je vous abandonne là-dessus, j'espère que le jeu vous plaît. Ouais, je pense jouer en chill à l'occasion et tout, et voir ce que le jeu... Attends, c'est un rondin ou c'est un coffre? Non, ok, c'est un rondin de moi. Bref, j'espère que l'abdo vous aura plu, j'espère que le jeu vous plaît. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je vous laisse là-dessus, amusez-vous bien, à la prochaine, salut, bye bye.